Donc bonjour à toutes et à tous, de second jour de PIX, Festival des industries culturelles et créatives, avec ce matin une conférence autour d'un sujet qu'on a intitulé « Le hardware à la française, c'est possible ». Alors on a posé une affirmation, c'est possible. On aurait pu mettre un point d'interrogation parce qu'il est assez coutume de dire que le hardware est produit plutôt, est pensé, produit plutôt en Amérique du Nord, plutôt en Asie, et que il y a de grandes difficultés à créer et diffuser et vivre de la question du hardware en France. Donc on a fait une table ronde avec trois exemples d'entreprises et évidemment de produits derrière qui prouvent le contraire. Et on va voir effectivement quels avantages on a possiblement à faire du hardware en France, quelles difficultés on peut rencontrer. Et puis évidemment discuter d'une question fondamentale qui est celle du lien entre le hardware, le software et le contenu. Tout ça évidemment autour des industries culturelles et créatives, même si avec un de nos invités, on ira aussi quand même sur des sujets peut-être un peu plus industriels sur le côté applicatif. Trois invités, deux entreprises de la région Hauts-de-France, une entreprise parisienne. Trois entreprises françaises, forcément. Je démarre par Yannick, peut-être. Yannick Allard, donc directeur du groupe Achat et Développement chez Nacon. Alors, d'abord, peut-être présenter Nacon et un peu l'historique Nacon, parce que effectivement, sur ce plateau qu'on a réuni, il y a une certaine antériorité, pardon, chez Nacon. Bonjour à tous, moi c'est Yannick. Je suis le directeur de développement pour Nacon, donc sur la partie hardware. Nacon, c'est une société qui a été créée en 2019, qui est sous la société Big Ben, donc c'est une filiale de la société Big Ben. Ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on est dans le monde de l'accessoire de jeux vidéo. Alors, je parle que de ma partie, puisque Nacon, en fait, c'est deux entités. C'est une entité hardware avec les accessoires de jeux vidéo, dont je m'occupe, et une entité de publishing où donc là on développe et on travaille sur les nouveaux jeux vidéo qui vont arriver. Donc on a un très bon back catalogue et on travaille donc aussi conjointement pour travailler à la fois sur le développement des manettes et des accessoires de jeux vidéo qui vont aller apporter une expérience aux joueurs encore plus immersive côté software. La marque Nacon apparaît en 2019, tu l'as évoqué, c'est pour ça que je parlais d'antériorité. Il y a Big Ben, donc, qui est la maison mère initiale, dont je rappellerai rapidement, sans qu'on s'appesantisse là-dessus, mais l'histoire de Big Ben, c'est Alain Falk, qui, originellement étudiant, vend de l'électronique japonaise ici, sur le marché d'Oisem, à Lille. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Dans les années 80, Alain, étudiant en ingénieur électronique, vend sur le marché pour pouvoir payer ses études. Et après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, il se décide à créer sa propre société pour continuer cette partie-là. Et petit à petit, on a créé, donc moi je l'ai rejoint assez rapidement, on a créé donc Big Ben, on a créé plusieurs activités au sein de la société qui sont toujours là maintenant, mais qui sont divisées dans différentes sociétés. Et donc depuis 30 ans maintenant, on développe, on fait et on commercialise des accessoires, donc d'abord en France, puis en Europe, donc avec des financements également, puisqu'on a mis la société donc de façon publique, on est une société publique maintenant. Et puis maintenant, donc on est sur un aspect monde, puisqu'on travaille dans tous les territoires à travers le monde. David Minard, cofondateur d'Octavio, une entreprise et un premier produit né ici dans l'incubateur de la pleine image. Donc vous êtes spécialisé côté IFI. Exactement. Donc chez Octavio, on conçoit des systèmes audio de fidélité et connectés à destination du grand public, donc dans le but de moderniser le monde de la haute fidélité et la rendre plus accessible. Donc c'est une société qui est assez récente aussi. On a commencé en 2018. Donc quelques années de développement, sortie du premier produit en 2021. Commencé initialement à La Plaine, depuis on a déménagé pour des raisons de place, mais on reste très proche de La Plaine Image. On gère pas mal de sujets en interne, que ce soit commercial, marketing et produits. Moi je me charge de tous les aspects produits, donc ce qui touche au logiciel, ce qui touche à l'électronique, ce qui touche au sujet de production. Stan Larocque, Oui. fondateur de Lynx, donc. Alors on a noté inventeur du Lynx, ce terme, il te plaît?
Bah, je ne suis pas tout seul hein, maintenant. Donc on a, pareil, créé en 2018-2019. Et aujourd'hui, on a 25 personnes, essentiellement à Paris, avec un bureau à Taïwan. Et on conçoit et on fabrique des casques de réalité mixte. Donc pour ceux qui ont entendu parler du casque d'Apple, c'est très similaire et surtout beaucoup moins cher. Et donc ça fait c'est quelque chose d'absolument incroyable, comme c'est une série Netflix, cette boîte, parce que le projet est tellement complexe. Un casque de réalité mixte, c'est 300 composants, c'est la complexité d'un smartphone qui se met sur la tête de quelqu'un d'autre. Il y a aucune autre boîte qui fait ça, qui est en Europe. Donc on se bat contre des Américains et des Chinois essentiellement, qui sont des sociétés, les plus petites sont capitalisées en milliards et les plus grosses en trillions. Et donc nous, on est tout en bas de la chaîne alimentaire. Et malgré ça, on arrive quand même à se tailler une place sur le secteur. Tu peux nous montrer le premier produit ? Et je vois que tu l'as... Alors ça, c'est la version 1. Ils ne sont pas tous avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Ça, c'est, voilà, c'était pour le brander pour certains de nos politiques. Mais voilà, ça ressemble à ça. Il y a la batterie à l'arrière. À l'avant, il y a l'équivalent d'un smartphone haut de gamme, donc une puce Qualcomm avec 6 caméras, des lentilles complètement folles. Voilà, si vous voulez l'essayer, c'est avec grand plaisir. Je peux en parler des heures, mais le mieux, c'est de le mettre sur la tête 5 minutes et de se rendre compte de l'usage et à quel point ça fait partie du futur et ça va transformer tout un tas de métiers et puis de manière générale la manière dont on consomme l'information. En travaillant le sujet, Stan, tu as été interviewé il y a un peu plus d'un an, je crois, par le média en ligne Madines, ouais. Qui parle de la tech, qui avait fait une petite série sur justement le hardware en France. Et grosso modo, il y avait plusieurs acteurs qui avaient été interviewés. Et quand même, d'où ce que je posais en introduction, on aurait pu mettre un « c'est possible » point d'interrogation. Et tu viens de commencer à évoquer, faire du hardware en France, c'est se battre contre des géants, c'est soulever plein de problèmes, ouais. Grosso modo. Qu'est-ce qui fait, et la question est valable pour David, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un projet comme ça ? Vous avez en commun, ce sont des projets étudiants finalement qui se transforment en entreprise ? Bah, je pense qu'on a la réponse en fait. Je pense que ce qu'on a en commun aussi, c'est qu'on était jeunes et naïfs et qu'on pensait que c'était possible et peut-être facile. Donc voilà, premier conseil, le faites pas. Une fois que vous êtes quand même entêté ou naïf aussi, bon bah voilà, vous allez le faire. Tant pis pour vous. Mais c'est effectivement c'est se battre contre un système de financement, de structure, de compétition sur lequel on n'a clairement pas les épaules assez larges pour faire quoi que ce soit si on n'est pas complètement fou. Voilà. Voilà, je pense que tu partages mon avis. Ouais, complètement. L'idée, c'est pas forcément de s'imaginer qu'au début de l'aventure, on voyait tous ces challenges-là. On n'avait aucune idée, je pense. On s'est juste dit, on a un besoin à combler, personne n'arrive à le combler, pourquoi pas se lancer ? Nous, on l'a fait d'abord pour nous, ensuite on l'a fait pour des personnes autour de nous, et ensuite le monde de la distribution est venu et a fait un petit peu grandir tout ça. Nous, de notre côté, on évite de trop regarder ce qui se passe du côté de la concurrence. On préfère avoir ce regard peut-être naïf, comme tu dis, ce regard un peu innocent et s'imaginer que tout est possible, que si les autres ne l'ont pas fait, bah, peut-être, effectivement, ça se trouve, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ça se trouve, c'est qu'ils n'ont pas mis le doigt dessus. Et c'est plutôt ces sujets-là qui nous intéressent, les axes qui ne sont pas abordés par la concurrence, quoi. Yannick, tout est possible ? Enfin, l'histoire de Nakon, c'est plein de phases différentes. Ouais, c'est... Ouais. Non, c'est plein de phases différentes, mais même si nous, on a 30 ans d'existence, on peut se retrouver un petit peu à travers ce qu'on écoute avec vous, parce que bah nous, il y a 30 ans, on jouait aux jeux vidéo, tout simplement, et puis on jouait, on importait des jeux vidéo, on importait nos propres manettes, et puis on faisait plaisir aux copains, donc on importait un peu plus, puis à un moment donné, on a des clients qui nous ont dit « Ah, ce serait intéressant », on a commencé à travailler sur un côté business, puis évidemment, on a commencé à trifouiller dans nos manettes, on s'est dit « Tiens, bah, y a moyen de les améliorer, il y a moyen d'en faire quelque chose d'autre », et puis petit à petit, comme ça, on a commencé à développer nos propres gammes de produits. Et puis voilà, on a commencé à les présenter, on a commencé à faire des changements. Et c'est comme ça que
petit à petit, on en arrive à travailler et à développer. C'est vrai que c'est difficile de commencer comme ça, parce que même dans une société comme la nôtre, au début, on est deux, on est trois, et quand on parle avec les autres où on a des business qui sont bien établis, ils nous disent bah non, c'est pas le jeu vidéo, c'est pas. Puis finalement, on se rend compte que maintenant, le jeu vidéo, c'est une dimension complètement différente et qu'on a eu raison. Mais effectivement, on a subi aussi les difficultés financières, les difficultés d'implantation, de distribution. Alors même si on avait des réseaux de distribution un peu établis pour d'autres gammes de produits, il a fallu retravailler tout ça. Ça a été compliqué et c'est toujours compliqué puisque de toute façon, l'idée c'est quand même d'aller chercher des nouveaux territoires et d'aller développer le plus possible puisque la plus grande diffusion possible nous permet de récupérer le maximum d'argent pour pouvoir encore développer d'autres nouveaux produits. Donc on essaie, c'est pas sans fin, mais c'est super intéressant de se dire que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut faire en termes de chiffre d'affaires nous permet après de pouvoir aussi réinvestir et retravailler sur des nouveaux projets. Alors on va peut-être voir quand même, parce que David et Stan vont montrer leurs produits. Je ne t'ai pas demandé de venir avec toute la gamme Nacon, parce que on va montrer une vidéo d'un produit récent qui sort de chez vous. Et peut-être, du coup, à partir de ça, nous dire voilà, toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière. C'est un produit 100% Nacon. Alors oui, ça c'est un produit qui a été entièrement designé, développé, conçu à l'équin chez nous, dans le Nord en fait. Et donc c'est travaillé avec les équipes. Donc on a des équipes, on a une R&D qui est directement à l'équin. Donc on a des ingénieurs électroniques, toutes sortes d'ingénieurs, des designers, des développeurs, qui nous permettent de designer et de produire et de développer ce genre de produits. Et ensuite, on duplique ça avec nos équipes qui sont sur Hong Kong, puisque nous, notre chaîne de fabrication, elle n'est pas en France, elle est sur la Chine. Donc du coup, on est obligé aussi d'avoir une équipe très forte sur Hong Kong pour pouvoir aller travailler avec un partenaire qui travaille avec nous sur tous ces opus de manettes, parce que c'est la 7e, c'est la dernière, c'est pour la PlayStation 5. Je vous la conseille hein, si vous jouez bien. Elle est terrible. Du coup, on a toute une équipe de développement aussi. Donc on a une partie en France et une partie donc, à Hong Kong, mais avec des métiers différents qui nous permettent d'aller regarder et vérifier toute la partie production qui doit être sous un cahier des charges qui est très strict chez nous, avec des audits usines et voilà, des contrôles complets. Donc là, c'est pour l'instant, ça c'est notre business model à nous à ce jour. Mais ce que tu décris dans effectivement tous les métiers que ça implique, et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles il y a des projets comme Lynx ou comme Octavio, c'est que, alors est-ce que c'est un regard franco-français? J'ai envie de dire franco-européen peut-être, c'est qu'on a tout ce qu'il faut, au sens on a les ingénieurs, les designers, on a tous les gens bien câblés pour faire du hardware ici. Donc, oui, mais bien sûr, on a les meilleurs talents du monde. Moi, les meilleurs ingénieurs que je connais dans la Silicon Valley, la moitié sont français. Bon, c'est une tristesse, hein, du coup. Mais il y a les talents. On a un territoire qui est phénoménal là-dessus en termes d'ingénierie, de développement produit, de R&D même, hein, le R comme le D. Le problème que je vois, on va en parler peut-être pour ceux dans la salle aussi qui ont leur boîte ou qui veulent monter leur boîte, qui se posent la question du hardware, il y a la question du capital en fait et de la culture. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a deux problèmes en France vis-à-vis de l'investissement sur le hardware. Je peux en parler parce que je me suis pris des beignets pendant 4 ans là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Le premier, c'est que le venture capital en France,
est complètement accro. En fait, quand vous regardez 99% des sociétés financées en France aujourd'hui, c'est du software. Et plus particulièrement, c'est du SaaS. Donc, c'est des business dont le business model est très éprouvé. Ils font entre 70 et 80% de marge brute. Ça marche très bien. Mais ça nous donne des licornes françaises dont, pour lesquelles la barrière à l'entrée n'est que le capital, en fait. Vous, par exemple, je vous donne 200 millions, là, comme ça. Je suis à peu près certain, et je ne vous connais pas trop, que vous pourriez refaire un Leboncoin ou un Doctissimo ou un Blablacar. La barrière à l'entrée de ces boîtes-là, c'est quoi ? C'est le capital. La barrière à l'entrée d'une boîte comme la tienne ou la mienne ou la tienne, là, c'est le capital aussi. C'est la bonne équipe, la bonne supply chain, la bonne distribution, les bons suppliers. C'est un enfer où les capital risqueurs, en fait, ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une action sur toutes ces autres facettes. Eux, ils ont une action sur l'argent, en disant bah, si on injecte de l'argent là, ça va marcher. Sur des sujets comme le hardware, en France, il y a d'autres sujets qui sont touchés par ça, hein, la biotech, plein d'autres choses. Il n'y a plus de gens de l'autre côté de la table qui ont les connaissances, ou peut-être qu'on ne l'a jamais eu. Et du coup, on ne sait plus ce que c'est, et du coup, on ne le respecte plus. Et donc, en fait, moi, j'ai eu des meetings où on m'a dit « Ah ouais, super, votre gadget, voilà. faut réaliser, en fait, que voilà, de l'autre côté, public, privé, les financeurs n'ont pas la culture pour recevoir les porteurs de projets ou les innovations qui sont présentées. » je parle de moi, mais je parle aussi de toutes ces boîtes qui se sont cassées la gueule parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension du monde financier pour recevoir des produits qui auraient pu être présentés. Mais tu y es parvenu puisque tu nous montres un produit qui est en vente aujourd'hui. Donc comment on fait pour... Dans mon capital, il y a 0,0 euro d'argent de fonds de capitaux risqueurs français. D'ailleurs, il y a zéro fonds tout court. C'est que des business angels. Et là, je suis en train de clôturer, d'ici deux semaines, vous en entendrez parler, la plus grosse levée de fonds de tout l'immersif en Europe. Des dizaines de millions d'euros. Il y a zéro euro d'argent français. C'est scandaleux. Européen ? Européen. Européen, c'est pas des Nord-Coréens. Ou des, voilà, c'est une chance qu'on ait trouvé des Européens en euros, etc. Mais... On n'a pas su. On s'est remis en question. Peut-être que je peux pas incarner. On me laisse pas incarner ce que je fais. Peut-être que je pitch pas très bien. Voilà, on se remet en question aussi. Quand on se tape 200 refus, forcément. Je parlais au début de mon discours de cette foi religieuse qu'il faut avoir pour faire du hardware. Bah, faut avoir aussi cette foi parce qu'on va vous dire 40, 60, 100, 200 fois non. Pour autant de raisons différentes qui ne sont pas les bonnes, généralement. Donc il y a un côté un peu faut s'accrocher mais nous on avait suffisamment de signaux de la part de l'industrie qui nous disait que malgré ce refus du capital, en fait les investisseurs c'est des gatekeepers, l'argent il existe, les liquidités elles sont là dans le monde et c'est juste ces gens là qui sont à l'interface. C'est pas parce que t'as pas réussi à convaincre ces gens là que ton idée elle est mauvaise, etc. Donc faut le prouver en allant chercher des clients, en créant un proto avec du carton et du scotch. Là, le casque, il est nickel, il sort d'usine, etc. Mais j'ai commencé, c'était un frigo, il y avait plein de câbles partout, mais ça avait le mérite de marcher. Donc voilà, un conseil, c'est si être capable de démontrer très rapidement que votre produit, il fonctionne et que les gens le veulent. C'est pour ça que nous, on a fait un Kickstarter, par exemple. Je ne sais pas si tu en as fait un, toi. Tu en as fait un ? Nous, on a fait 700 000 euros en Kickstarter. C'est un bon succès français, on va dire, dans le hardware. Et alors qu'on avait fait des levées de fonds. Mais pour moi, c'était un outil pour montrer au monde financier que, regardez, les gens sont prêts à payer pour mon produit. Et les gens payent pour le produit. Mais si on raisonne franco-français, ça n'a pas suffi, visiblement. Non, ça n'a pas suffi. Et d'ailleurs, on fait la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Oui. Et après, c'est le Japon. Et après, c'est l'Europe. Et nos clients, c'est pas le jeu vidéo. Nos clients aujourd'hui, c'est le médical, l'industrie et le militaire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer en Chine, par exemple. On fabrique au Vietnam et bientôt en Espagne, parce qu'on a des clients dans l'OTAN on ne peut plus fabriquer en Chine. Mais c'est malheureux, en fait. C'est malheureux qu'on ait des boîtes comme ça, des porteurs de projets
comme vous aussi, qui on essaie de ramener des choses en France, et on se heurte parfois à un manque de culture, en fait, et de risque. Parce que moi, le capital risque, le capital, je l'ai vu, le risque, je ne l'ai pas, j'ai pas trop vu. David, il y a eu aussi une première levée de fonds pour Octavio, les mêmes difficultés ? Exactement. Bah, en fait, on a suivi un peu le même parcours. On a fait un crowdfunding au début pour lancer le premier produit, qui a fonctionné, qui a permis de rassurer les banques, etc. Parce qu'il y a deux sujets financiers. Il y a à la fois le développement. Il faut le financer, ce développement-là. Quand vous commencez, pendant 2 ou 3 ans, vous allez cracher du cash sans qu'il y ait un seul euro qui rentre, parce qu'il faut faire le produit. Et ensuite, il y a le sujet industriel. Une fois que votre produit est fait, il faut l'envoyer en usine. Et il faut faire des batches de production. Pour donner une idée, les premiers batches de production de notre premier produit, donc le petit Octavio Stream qu'on voit, le petit boîtier qui est au-dessus de l'enceinte, on était sur une première production de 1000 unités. 1000 unités pour des industriels, c'est ridicule. Simplement, pour une petite start-up, 1000 unités de ce produit-là, ça représente quand même pas mal d'argent. Donc, pour produire la partie industrielle, on a plutôt misé sur les banques. Et pour le développement, on a plutôt misé sur l'écosystème, en gros, régional. Je pense, par exemple, à Odefi, par exemple, qui nous a financé les ressources ingénieriques qu'on avait besoin pour faire tout ça. Et ensuite, c'est faire des concessions. Et je pense que n'importe quelle start-up, de toute façon, peu importe le secteur, est passé par là. C'est travailler 2 ans sans être payé. C'est y mettre corps et âme, soirée et week-end, pour voir son projet naître. Et c'est ça aussi qui fait l'essence d'une start-up, je pense. Et ensuite, une fois que la première preuve est lancée, le challenge, c'est de durer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes de hardware qui s'arrêtent au premier produit. Le crowdfunding marche, mais ensuite, on n'en entend plus parler. Parce qu'il y a eu un effet buzz qui a fait que ça a marché au début, et ensuite ça prend pas, ou parce que les finances n'étaient pas là. Pour reprendre l'exemple de ce petit boîtier-là, les premiers mois ont été compliqués, parce que, comme tu le dis, faire du hardware, ça couvre un champ de métier énorme. Contrairement à du software, où j'ai rien contre le software, mais en gros, il y a une partie commerciale, évidemment, il y a une partie développement, mais à partir de ces axes-là, on peut réussir à faire du business. Dans le hardware, il y a la partie développement, donc dans notre cas logiciel, la partie développement électronique. C'est deux métiers qu'une seule personne ne peut pas assurer. Un ingénieur ne peut pas être à la fois logiciel et électronique, donc ça veut dire 2 fois plus de persos. Il faut du design, il faut de la mécanique, il faut, comme tu disais, de la supply chain. Nous, dans notre cas, on a du support client à porter, on a de la commercialisation, on a du marketing, on a de la communication. On a beaucoup de champs de métiers à gérer et du coup à manager, à trouver les bons talents, à les fidéliser, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Et une fois que ça s'est fait, il faut constituer la gamme de produits. Yannick, je t'entendais opiner. Alors, encore une fois, Nakon, c'est une histoire ancienne. Mais il y a la création de la marque Nakon, c'est en 2019. Est-ce que même avec tout l'historique Big Ben au préalable, il faut encore batailler pour lancer sur le marché une marque Nakon, pour convaincre que vous développiez vos propres produits, qu'il y ait peut-être une montée en gamme dans vos produits? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même encore un côté traversée du désert? Ah, mais c'est pas une traversée du désert, mais c'est un combat de tous les jours. Nakon, on l'a développé en 2019, on l'a créé en 2019, et directement on l'a mis en bourse, donc on a mis la société en bourse aussi pour lever des fonds, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le hardware, c'est pas vraiment quelque chose qui est très reconnu en France. Nous, on a la chance d'avoir à la fois du publishing et du hardware. Donc, on a mis, en fait, Nakon avec l'intégralité software et hardware. On a créé la société, on l'a mis en bourse, on a levé des fonds, et ça nous a permis, après, d'aller progresser dans des deux côtés. Donc, on a levé pas mal de fonds, mais ça nous permet aussi de stabiliser les activités. Les activités, comme tu le disais, toi, c'est aussi très vrai, c'est que, par exemple, nous, cette manette qu'on vous a présentée tout à l'heure, c'est plus de 2 ans de développement non-stop avec une équipe d'une quinzaine de personnes, parce qu'il y a des métiers différents dans le hardware. Il y a de la mécanique, il y a du design 3D, il y a de l'intégration, il y a du firmware, il y a du software, il y a énormément de métiers différents. Il y a des chefs de projet qui doivent travailler pour assembler tout ça. Et donc, ça demande 2-3 ans pour développer un produit où là, comme tu dis, on crache du cash et on n'a pas de retour sur investissement. Donc après, c'est effectivement, nous aussi, même à notre échelle à nous, on est obligé d'aller chercher, de vérifier, de regarder les budgets pour pouvoir récupérer des fonds, pour pouvoir aller développer d'autres produits. J'écoutais en préparant cette table ronde, j'écoutais Eric Carrel, le fondateur de Withings, qui disait quelque chose de très intéressant, et je crois que c'est ce que tu as vécu, Stan,
qui expliquait que dans ce problème franco-français lié au hardware, il y a effectivement bon, le vrai problème de fond, c'est l'investissement, c'est le financement, mais il y a même il évoque une problématique de culture française chez le consommateur, une espèce de timidité, de peu d'entrain pour aller vers du hardware un peu différent, vers du hardware peut-être franco-français. Toi, je lisais, tu expliquais que lorsque tu as lancé la version 1 du Lynx, le premier français qui a acheté était le 47e. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, grosso modo, malgré le fait que tu es une société française qui a quand même été pas mal médiatisée, ouais. C'est finalement tes premiers clients, ils sont pas en France. Oui, alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses. En fait, et force et honneur à Eric Harel de WeThings, hein, parce que lui, les montagnes russes aussi, elles sont rudes. Et je pense qu'il a pas mal bronzé avec tout ce qui s'est pris dans la tête. Par contre, on est complètement colonisé par les grosses marques américaines. Nos journalistes, la manière dont la tech est couverte aujourd'hui, c'est complètement absorbé par quelques marques américaines, Apple, Microsoft, Google, qui ont une couverture médiatique incroyable et qui fascinent encore les gens. Toutes ces boîtes-là, alors avant le 47e français qui nous a commandé un Lynx, elles sont venues nous voir. Et en fait, ce sont des sociétés qui font plus que de l'innovation par de la croissance externe. Donc, qui rachètent des boîtes comme la nôtre. Tout simplement. Je pense qu'il faut, c'est difficile, c'est voire impossible, mais il faut arrêter avec cette fascination américaine, même si Apple, c'est une très bonne boîte marketing, et franchement, c'est tout à leur honneur, mais effectivement, je pense que le consommateur français est complètement lobotomisé par cette omniprésence américaine. On est une colonie numérique complète, il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça explique le fait qu'on ait moins d'attention et une frilosité peut-être du consommateur. Et après, il y a une maturité du consommateur. Alors quand je dis consommateur, c'est l'utilisateur. Alors toi, tu es quand même en B2B, à la différence de Nacon et Octavio, tu es strictement en B2B aujourd'hui. Enfin, en tout cas, tu n'as pas je vais le dire comme ça, la prétention d'essayer d'être en B2C, parce qu'aujourd'hui, grosso modo, casques, c'est un sujet qui reste professionnel. Ah oui, non, il n'y a aucune réalité d'entreprise à vendre des casques à la Fnac et chez Darty pour le moment. Il n'y en a qu'un seul qui fait ça, c'est Meta, parce que Mark Zuckerberg, il a dit la VR, c'est mon truc, et il vend ses casques à perte. C'est de notoriété publique. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Mmh. Et donc, il faut aussi comprendre que notre retard, dans le hardware aussi, il est lié au fait que comme on n'a pas de fabricants en Europe, on n'a pas un Apple ou un Google ou un Microsoft qui fait aussi des produits et les met sur le marché. Moi, je fais 50% de mon chiffre d'affaires aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-bas, les casques, ces objets-là, sont déjà beaucoup plus courants. Les gens sont beaucoup plus éduqués à ce genre d'objet. À quoi ça sert ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait gagner à mon entreprise ou à mon temps de formation, etc. Et en Europe, pour ne pas dire en France aussi, on a un retard clair là-dessus. Je vous donne un exemple. Walmart nous commande plusieurs milliers de casques au même moment où une grande enseigne française nous dit on va vous en prendre 10. On a cassé la tirelire. C'est parce qu'on en est encore à un stade où on fait des POC et on se dit mais à quoi ça sert, alors qu'en Asie ou aux États-Unis, c'est déployé en masse parce qu'ils ont largement passé cette maturité face à notre industrie. Et c'est malheureux parce que les fabricants sont là-bas et voilà. Et donc, si on caricature, vous devez aller au CES de Las Vegas éventuellement pour vous faire repérer, peut-être aussi par des journalistes français qui pourraient vous mettre dans les rubriques tech des grands journaux. Why not ? Mais en gros, on fait la majorité de nos salons effectivement aux États-Unis, parce que c'est là-bas que toute l'activité est, et que les salons militaires ou professionnels se passent le plus autour de notre industrie. Mais les journalistes français nous connaissent. Mais ils ne peuvent pas nous caser tout le temps partout parce qu'il n'y a pas un attrait non plus pour leur audience sur ces sujets-là. Ça va mettre du temps. C'est comme les smartphones. Les smartphones, c'est pas d'un coup. L'iPhone, ça existe depuis 15 ans comme produit, comme ligne de produit. Et avant, il y a eu encore 15 ans de téléphones mobiles.
Voilà, toutes ces innovations, ça prend plus de temps que ce dont on se souvient généralement. Un des sujets qui pique pour vous et pour peut-être encore pour Nacon, c'est quand même la distribution. C'est que vous soyez aux bons endroits face aux bons clients possibles. David, je sais que c'est un sujet du quotidien depuis le début. C'est un vrai enjeu. Bah, historiquement, on a même misé pour faire notre distribution nous-mêmes. Pendant plusieurs mois, on vendait uniquement sur notre site internet, tout simplement parce que c'est bien plus simple. Ensuite, on a commencé à être contacté, et c'est peut-être ça la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas démarché des Fnac, Boulanger, Darty, parce qu'on n'avait pas la prétention d'aller les démarcher. On a été démarché par un premier distributeur qui ensuite nous a mis en ligne. En ayant cette mise en ligne, on a été contacté par un autre, puis par un autre, puis par un autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être chez Fnac, Darty, Boulanger, qui sont des très bons clients pour nous. Et contrairement par contre à Stan, c'est qu'on avait la chance d'être dans un marché qui avait déjà fait ses preuves en fait. Des enceintes, on en faisait déjà au XXe siècle. Donc le monde de la distribution était déjà prêt à ça. On arrivait avec des produits qui étaient certes différents, mais tout le monde a une enceinte à la maison, je pense. Donc les barrières à l'entrée de ce côté-là étaient quand même moins rudes et le marché de la distribution était prêt. Votre client type, vous savez l'identifier aujourd'hui, c'est un audiophile ou c'est... Je me souviens qu'à une époque, vous m'aviez dit, c'est plutôt les foot domotiques qui sont intéressés par nous. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'audiophile Alors ouais, on est passé par pas mal de périodes. On a eu nos foot domotiques qui étaient nos early adopters, donc en 2021 maintenant, ça remonte. Et ensuite, le client type, c'est le mélomane. On évite d'utiliser le mot audiophile, parce qu'audiophile, ça veut tout et rien dire. Ça peut dire à la fois la personne qui dépense sans trop écouter, qui regarde uniquement le budget, ou la personne tout simplement qui a l'oreille suffisamment éduquée, qui va à l'opéra, qui va au concert régulièrement et qui veut avoir cette même expérience à la maison. Nous aujourd'hui on touche n'importe quel mélomane qui est prêt à investir un peu plus qu'une enceinte Bluetooth à la maison et qui a envie d'avoir un bon confort d'écoute, qui sait ce que c'est un système stéréo, ce qui n'est pas aujourd'hui forcément évident, mais voilà. Et en gros, qui a entre 40 et 60 ans. Et le petit avantage comparé à Stan aussi, c'est que historiquement, les marques audio françaises existaient. Je pense à Davis Acoustic, qui a commencé en 1983. Je pense à Cabas, je pense à Triangle, qui ont créé ce terroir-là en France, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avoir des haut-parleurs qui sont faits en France, en fait, tout simplement. De pouvoir avoir des parties bois, etc. Parce que là, on a par exemple une enceinte qu'on fabrique. Il y a pas mal de matières premières où on peut se vanter d'avoir des bons partenaires français qui nous accompagnent là-dessus, quoi. C'est aussi un sujet pour Nacon, la distribution. Peut-être plus sur une problématique mondiale et de concurrence frontale sur l'ensemble des continents. Oui, enfin, c'est nous, on a eu la chance. Enfin, nous, on est dans le grand public. Donc, nous, on n'est pas sur le professionnel, on est sur le grand public. Donc, il faut aller chercher le grand public. Donc, quand on a fait nos levées de fonds, l'une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a établi aussi des filiales dans les principaux territoires européens. Ce qui nous a permis d'avoir justement un accès à ce grand public via ces filiales qui nous ont permis d'aller développer notre tissu commercial. Et on continue de plus belle maintenant, puisque là, on vient d'ouvrir le Japon, on est en train d'ouvrir toute l'Asie du Sud-Est, et on continue sur les États-Unis comme on l'a fait depuis un an déjà. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher vraiment les bons produits pour les bons clients. Et donc nous, on a une difficulté sur la distribution, c'est qu'on ne va pas travailler directement avec le consommateur. On doit passer par des gens comme la Fnac, comme Darty, comme Boulanger pour la France, ou comme Mediamarkt pour l'Allemagne, par exemple. Et on doit aller chercher, on doit convaincre d'abord les vendeurs, donc d'abord les acheteurs. Et donc les acheteurs, ben, eux, ils ont des offres différentes. Et c'est là où on rentre en concurrence. Et c'est là où on doit avoir un service marketing de communication qui doit nous aider à expliquer et à exprimer justement le fait que le produit soit développé en Europe, que le produit soit français, soit fait par des Français, que le produit soit... Et ça rentre en ligne de compte aussi pour pouvoir faire la différence après avec les produits qu'on peut trouver en faisant du simple sourcing en Asie ou autre. Même si on va fabriquer en Asie, on a une charte qualité qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver dans le tout venant. Donc c'est aussi ça qui fait la différence. Alors vous avez quelque chose en commun et qui est évidemment pour un écosystème comme la Pleine Image qui est quand même beaucoup autour du contenu, c'est que il y a cette relation hardware, software, contenu qui est quand même extrêmement importante.
Stan, toi, récemment, alors tu auras peut-être d'autres exemples, mais sur cette notion de contenu, et notamment contenu plutôt ICC, tu as collaboré récemment avec Jean-Michel Jarre. J'imagine que c'est un moyen de, effectivement, de faire rayonner la marque et de faire la preuve du casque. Vous, David, chez Octavio, c'est notamment la collaboration avec une plateforme comme Cobuzz, hein, des partenariats pour effectivement lier le système audio à pourvoyeur de contenu. Et ben vous, c'est j'ai envie de dire, c'est natif, Nacon, c'est deux entités, c'est le hardware et c'est effectivement le rachat de 17 studios de jeux vidéo et un nombre de projets de jeux qui sont directement liés à la maison mère. Donc il y a une logique, vous avancez les deux ensemble. Mais comment on travaille cette relation et est-ce que c'est vraiment, au final, vous êtes obligé de faire ce pas vers le contenu et de prouver que vous êtes en lien avec le contenu? Stan, Jean-Michel Jarre, en l'occurrence, ça te sert à quoi, si je peux me permettre de poser la question comme ça? Ce qu'on a fait avec Jean-Michel Jarre, est-ce qu'on a d'autres projets qui vont venir, c'est extraordinaire. Donc Jean-Michel Jarre, en fait, il a 75 ans, mais quand on parle avec lui, en fait, il a 16 ans. Et ça reste un innovateur clé dans son monde, dans son industrie. Et il était venu nous chercher pour faire ce qu'il a fait dans la Galerie des Glaces à Versailles à Noël dernier, là, et pour créer des nouveaux concerts hybrides que je ne vais pas encore détailler, mais vous en entendrez parler aussi. Et ça, c'est extraordinaire parce que Jean-Michel, c'est aussi une marque à lui tout seul. C'est un Français qui est plus connu à l'étranger qu'en France, un peu comme Zidane. Et c'est une chance de pouvoir travailler avec ces gens-là. Et ces interactions dans différentes industries, notamment dans l'industrie culturelle, c'est ces interactions-là, ces gens-là qui sont venus nous voir et qui m'ont mis la main sur l'épaule en disant « mais ton casque, on en a besoin », qui m'ont fait garder cette motivation, en fait, en disant « mais on est peut-être vraiment en train de faire un truc géant et exceptionnel comme ce qu'on imagine ». Du coup, ça, déjà, c'est bien d'être en interaction avec... avec le contenu. Et surtout, c'est grâce à eux qu'on a le feedback de l'utilisateur final. Et finalement, c'est eux la pièce maîtresse la plus indispensable. C'est le contenu qui est à la poignée de l'éventail. Des casques, des enceintes, il y en a plein. Des casques, il y en a plein. Des manettes, il y en a plein. Pourquoi ils choisissent la vôtre? C'est eux qui racontent cette histoire. C'est pas nous. C'est pas le fabricant de hardware. C'est « Ah, j'ai réussi à, avec ce casque-là, avec cette manette-là, à faire ça, à être le meilleur dans tel truc. » qui raconte vraiment l'histoire du produit. Et donc c'est clé pour nous, je pense, de collaborer donc avec le milieu culturel, mais on fait la même chose dans le militaire et dans le médical. Pas du tout des stars, mais des stars dans leur industrie. Et ça, je pense que c'est absolument clé. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. David Cobuzz. Oui, Cobuzz aussi. En fait, pour comprendre l'histoire derrière Cobuzz et ce que ça nous apporte aujourd'hui, il faut comprendre aussi l'importance du software dans nos produits. Parce que tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a un vrai sujet hardware, mais il y a un vrai sujet software. Une enceinte sans contenu, c'est une boîte. On ne vend pas des boîtes, on vend un produit musical. Donc pour gérer cet aspect musical, historiquement, chez Octavio, la première branche qu'on a gérée en interne à 100% sur du développement, c'est le software. C'est ce qui fait aujourd'hui la grande différenciation d'Octavio vis-à-vis des marques qu'on peut trouver sur le marché, qui sont déjà des marques un peu plus historiquement dédiées à l'acoustique, à l'audio uniquement, et pas forcément à des enjeux de développement logiciel. Nous, cet aspect-là, il nous a tout de suite beaucoup plu, et ça nous intéressait d'avoir une interface qui soit la plus fluide possible. Aujourd'hui, je vous parle de Cobuzz, vous ne connaissez peut-être pas Cobuzz, c'est un service de streaming français qui garantit l'accès à la musique en haute fidélité. Je vais la faire très court. Aujourd'hui, vous avez peut-être un abonnement chez Spotify. Le catalogue que votre artiste préféré publie sur Spotify est compressé, parce que Spotify a des contraintes de coût vis-à-vis de leur serveur qui impliquent de compresser la musique. Cobuzz a pris le parti d'avoir un abonnement qui coûte 1 ou 2 euros plus cher, mais vous avez la musique qui est sortie du studio.
directement dans votre poche. Et tout l'enjeu derrière Octavio, c'était de démocratiser cette musique-là aux consommateurs. Et pour démocratiser cette musique-là, il fallait une super interface. Il fallait quelque chose qui, en deux clics, vous accède à votre contenu. Donc on s'est inspiré des interfaces, en gros, de Spotify, d'Apple Music, pour avoir une interface la plus parfaite qui va intégrer le catalogue de Qoboz. Ensuite, cette vitrine-là nous a permis d'approcher Qoboz. On était la marque audio qui intégrait le mieux Qoboz pour reprendre leur dire. Ils nous ont mis en avant sur leur site web. Ils ont pas mal parlé de nous aujourd'hui. Si vous voyez Qoboz en salon, ils vont sûrement vous recommander d'avoir ce type de produit-là sur votre install audio. Pour 200€, vous avez accès au catalogue Qoboz avec une interface qui est super agréable à utiliser. Et c'est ce qui a permis de construire aussi l'image d'Octavio, parce que Qoboz, c'est plusieurs centaines de milliers de clients, de clients partout dans le monde, et une visibilité. Quand on construit une marque, ce qui est important aussi, c'est l'image qu'on va renvoyer de la marque. On parlait d'Apple, Apple ont un petit peu de budget sur cet aspect-là. Quand vous lancez votre start-up, c'est bien de pouvoir miser sur des acteurs de notoriété pour faire grandir l'image de votre marque, et nous, Qoboz y a fortement contribué. Et Qoboz, plateforme de stream française, faut-il le préciser. Yannick, effectivement, Nacon, c'est donc une gamme de produits qui s'est largement enrichie ces dernières années, et donc je le disais, 17 studios de jeux vidéo rachetés, donc un nombre de titres de jeux vidéo édités à l'année. Et du coup, cette relation que vous avez avec les studios, c'est quoi ? Ils participent à votre R&D ? C'est là aussi le meilleur moyen un des moyens de réaliser les meilleurs produits, de mettre des produits toujours meilleurs sur le marché ? Pour nous, c'est une très grande opportunité. C'est comme si on avait deux parties de la même personne, en fait. Donc on a, nous, l'avantage et la chance de pouvoir communiquer tous les jours avec les gens qui développent les jeux vidéo. Donc ils nous donnent les contraintes du jeu vidéo, ils nous donnent les attentes de leur jeu vidéo. Ça nous permet aussi d'avoir des bêta-testeurs à profusion et sur différents sujets et sur différents types de jeux. Donc pour nous, c'est super important d'intégrer justement toute cette connaissances techniques, software, donc pour les jeux vidéo, dans l'intégration donc du développement de nos hardware, dans nos manettes, nos casques, pour pouvoir justement leur apporter. Nous, ce qui nous motive tous les matins, c'est de trouver comment on va améliorer l'expérience du joueur. C'est l'avantage que nous, on peut avoir au niveau du hardware, c'est que nous, on va essayer de travailler sur les nouvelles technologies pour pouvoir les intégrer le plus possible, pour pouvoir faire en sorte que le gamer, à l'arrivée, il oublie son hardware et il n'a que l'expérience du jeu. Et l'avantage de travailler avec des studios, c'est de pouvoir se balader avec des studios qui font des jeux de type complètement différent, d'aller proposer nos hardware, les faire tester en réel, des mois et des mois à l'avance par rapport à ce qu'on va les diffuser, donc dès les premières phases de développement, pour aller derrière et puis contrôler avec eux si effectivement on est dans la bonne lignée. Je crois qu'il est déjà 12h15. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a un micro qui peut circuler. Je pense que vous êtes tous les trois un peu disponibles après, par ailleurs. Et Stan a proposé d'ailleurs de pouvoir tester effectivement le Lynx. Je crois qu'il y a une question au premier rang. Au second rang, pardon. Merci. Merci. Alors, question plutôt réaction. Je voulais envoyer du soutien et de l'admiration pour tout ce qui a été dit. Et cette impression-là de devoir se battre au quotidien. Alors, je suis dans une société qui fait du software, donc du coup, ça va paraître facile. Mais je voulais juste dire que ce combat de David contre Goliath et des Américains en face qui obsèdent la tête des consommateurs, la tête des clients potentiels, partenaires B2B, etc., c'est une réalité. Et que même dans le soft, en fait, pousser des applications, pousser des nouveaux logiciels, des nouvelles manières de créer du son ou de manipuler du son, c'est un enfer. Hein, quand on a des boîtes comme Dolby en face, c'est juste... Donc c'est une réalité. La France, c'est une petite cacahuète dans la map monde. Et donc, c'est déjà, je trouve que c'est tout ce qu'on a entendu aussi sur la vision européenne, c'est la bonne direction. Je trouve que c'est au moins à cette échelle-là qu'on aura peut-être une petite chance. Mais je me joins à cette impression-là. Et je trouve que
c'est inspirant et ça veut dire que ça peut marcher et que vous êtes des exemples de réussite. Donc c'est voilà, bravo. Je voulais juste dire ça. Et pour nuancer, apporter un petit peu de positif, faut aussi voir ce que l'État est capable de faire aujourd'hui. Je pense, on n'a pas parlé, mais France 2030, qui est quand même un programme qui apporte pas mal de financement. Nous, on a eu la chance de pouvoir gagner l'an dernier un concours qui s'appelle le concours Innov, qui permet de subventionner à, en gros, c'est des sommes, on est pareil, à l'ordre du million, des projets de réindustrialisation en France, que ce soit pour financer des ingénieurs, que ce soit pour financer de l'industrie, etc. Donc l'initiative est là, et je pense que le terroir va se bâtir et se consolider petit à petit vis-à-vis de ces initiatives. J'avais quand même eu l'impression qu'il y avait une prise de conscience de... Il y a le hardware, il y a la deep tech, il y a des sujets comme ça qui étaient des poches complètement oubliées des VC. Mais, je suis peut-être naïve moi aussi, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, notamment après le post-Covid, l'espèce d'euphorie là, de 2019-20, il y a quand même eu un assainissement des marchés et donc une reprise de conscience que certains modèles sont quand même vachement intéressants, même si plus risqués. Mais bon, après... peut-être que je suis biaisé. Non, bien sûr. Et de toute façon, les industries du territoire le sentent bien aussi. On sent de plus en plus, enfin en tout cas de notre point de vue, un soutien de la part de ces industries-là. Historiquement, quand on a commencé en 2018-2019, le nombre d'industries qui nous fermaient la porte et qui nous rayonnaient, c'était fou, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'initiatives positives, je pense. On a une boîte à côté, c'est pas pour leur faire de la pub, mais qui s'appelle InnoDesign. Qui est une boîte qui encourage la création avec des start-up, qui comprend les ingénieurs industriels, qui comprend qu'effectivement en Asie et en Amérique ou au Vietnam, forcément il y a une réalité économique qui fait que c'est plus accessible. Aujourd'hui, InnoDesign investit des millions pour leur ligne de production, pour essayer de s'aligner à ces enjeux-là et de pouvoir accueillir de plus en plus de projets français. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui ils sont en capacité d'accueillir tout le monde, parce que comme tout, on a des contraintes budgétaires à respecter vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'activité à faire tourner. Mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'initiatives et d'acteurs industriels qui sont conscients de cet enjeu-là, qui sont conscients des problématiques et qui œuvrent dans le bon sens, en tout cas. Juste un dernier sujet pour conclure, est-ce que, et pour donner suite à ce que David vient de dire, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut envisager sur cette partie hardware la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, plus de choses qui soient produites sur le territoire. Question un peu piège, mais est-ce que question politique, oui, qui est mise en avant d'ailleurs par le politique, mais c'est quoi les réalités et qu'est-ce qu'on peut espérer dans les années à venir? Alors dans mon cas, non. Voilà, réponse courte et simple. Il y a une réponse longue que vous aurez probablement plus tard par voie de presse. Non, c'est... moi, j'ai tenté et on m'a dit non. Voilà. Bon, dans mon cas, je vais être un peu plus positif. Dans mon cas, c'est oui. Historiquement, on a toujours cherché à travailler avec des fournisseurs locaux, etc., dans la mesure du possible. Le premier fournisseur de packaging et historique de nos produits, c'était par exemple Mulier-Richebay, qui est situé à Chéran, donc dans notre campagne nordique. Ensuite, je pense au boîtier plastique que vous voyez là, qui est fait par Plastisystem, c'est une entreprise qui est à 10 km d'ici. La partie électronique aujourd'hui c'est le vrai sujet, on a envie de réindustrialiser ça en France, donc on s'est donné un petit délai pour 2024-2025, mais je pense que dans notre cas c'est possible aussi parce que, pour nuancer avec Stan, les enjeux sont beaucoup moins difficiles à réaliser pour une entreprise électronique. Stan, dans son cas, il l'a très bien dit, il doit concurrencer les performances d'un smartphone dans quelque chose qui fait 10 cm. Il faut des acteurs industriels qui soient prêts à prendre des risques pour aller sur ce genre de sujet-là. Les acteurs industriels prennent un peu moins de risques dans notre industrie qui est déjà un marché éprouvé. Pour nous, c'est aussi un peu plus positif parce que nous, on est en train de regarder, on est en train d'étudier justement en ce moment comment on pourrait faire de la réindustrialisation à la française, ou à l'européenne plutôt. Et pour ça, nous, on est en train de travailler, mais on est en train de regarder un peu tous les acteurs industriels, comment on pourrait travailler avec eux, travailler sur une logistique qui nous permettrait justement de pouvoir aller à la fois sur du,
sur des plasturgistes, mais aussi sur de l'électronique, sur de la mécanique, pour pouvoir les rassembler, aussi de l'impression, de l'imprimeur. Il y a énormément de métiers différents qui rentrent en ligne de compte. Pour l'instant, de ce que nous on voit, c'est complètement éparpillé. C'est vrai que la solution de facilité, c'est d'aller en Chine ou d'aller dans des pays de production où là, tout est intégré dans les usines. On va de la création du produit jusqu'à la réalisation de production complète. Et donc ça, c'est facile parce que tout est intégré. Les usines font, c'est des usines, c'est des campus complets qui font. Il y a énormément d'exemples en Asie. En France, ça n'existe pas parce qu'il y a beaucoup d'industries, mais c'est de l'industrie automobile, c'est de l'industrie plutôt classique. Et il faut aller démarcher aussi ces gens qui font de l'industrie différente pour aller dire, nous, notre industrie, dans le ludique, elle est intéressante aussi. Donc attention, nous, on est prêts à investir et à travailler sur des outils de production, mais il faut aussi que vous, de votre côté, vous nous donniez aussi la possibilité de travailler ensemble pour pouvoir travailler, faire fonctionner des outils, travailler pour monter des lignes d'assemblage, de production. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est le côté négatif, c'est que c'est très difficile parce que les gens vont rester plutôt dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils savent. Et c'est pareil, ça redevient de l'entrepreneuriat. C'est de retourner là pour un autre sujet, donc pas le développement de hardware, mais la production de hardware. Et là, c'est un nouveau sujet. Et c'est un sujet qui est super intéressant. Nous, ça nous intéresse bien. Nous, on est en train de regarder tout ça. Évidemment, on a beaucoup de lignes de produits différents, donc on va se concentrer d'abord sur une ou deux lignes. Mais dans un avenir proche, j'espère, je le souhaite, qu'on puisse réinjecter de l'industrie française pour le jeu vidéo. Et ça serait quand même une grande victoire que de savoir qu'on pourrait faire une manette à 5 minutes en voiture d'ici. Ça pourrait être très sympa. Alors là, je ne pouvais pas rêver mieux comme... Mot de la fin, le temps est imparti. De toute façon, je l'ai dit, vous êtes disponible. Donc, s'il y en a qui ont envie de tester, d'en savoir un peu plus sur vos produits respectifs, vous pouvez les rencontrer. Je vous remercie tous les trois. J'espère qu'on n'a pas plombé le moral, hein, parce que vous prouvez que c'est possible, le hardware à la française, quand même, que vos produits existent et qu'on leur souhaite un avenir doré. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci.